Non plus? Pourquoi on doit ramener Katharina avec nous? Il nous faut prendre de trop gros risques là. Vu comment elle s'est opposée au régime dernièrement, elle est en danger de mort ici, c'est vrai. C'est dangereux pour nous si on se fait prendre. On peut refuser, Louis, sérieusement. Mais refuser quoi, Sylvain? T'es malade? Adrien m'a dit au téléphone qu'elle commence à être recherchée pour propagande anti-russe. Tu comprends ce que ça veut dire? Il y a plein de pays en guerre aujourd'hui. Personne ne fait rien pour eux. Personne ne bouge le petit doigt. Et nous, on doit risquer nos vies parce que l'Ukraine et la Russie, c'est plus proche de nous, c'est ça? C'est de l'hypocrisie. Tu sais combien d'années on reste comme ça? Moi, excusez-moi, hein, mais j'ai pas envie de passer ma vie en prison. Mais moi non plus. Et tu sais quoi, Sylvain, t'as raison. On peut pas sauver le monde entier. Sauf que quand on a l'opportunité de se bouger le cul, on se doit de le faire. Surtout pour sauver la vie d'une collègue. Et ils t'ont dit comment on allait procéder demain pour que ça passe? Ouais, on récupère un faux passeport pour elle demain matin à la gare. Super! Ваши билеты, документы, пожалуйста. Хорошего пути. Jusqu'au bout comme ça, Louis. Depuis le début, je suis quand même malade. À chaque fois que j'entends des pas ou du russe, j'ai l'impression que je vais me chier dessus. J'aimerais tellement être comme toi, avoir peur de rien. Je veux juste vivre, Louise. Tu crois vraiment que j'ai peur de rien? Tu crois que je ressens rien? Que la guerre, la misère, la mort... Ça ne fait rien. Tu joues Katharina? Tu sais, j'aurais jamais imaginé partir. C'est facile de dire, exprimez-vous. Battez-vous, sortez dans la rue, quand on est à Paris. Toi, tu vois, t'es venu en Russie pour parler d'un sujet qui t'intéresse. Tu fais des efforts, tu prends des risques et... tu tombes sur moi. Vous me ramenez en France et je vous mets en danger ici. Non, 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 Katharina. On fait juste notre métier. On est payé pour ça. Quand je suis retournée de... Paris, à Moscou, j'étais pleine d'espoir.
je me suis dit que mon pays est en train de changer, de s'ouvrir. J'ai goûté un petit peu de l'air de la liberté et je me suis dit voilà, c'est une nouvelle époque pour la Russie. Et là, on a appris l'invasion de la Crimée. Des soldats russes ont débarqué en disant qu'ils étaient des libérateurs. Ils ont dit, la Crimée, c'est russe maintenant. Ça l'était et ça le sera toujours. Et là, moi, mes amis, mes collègues, on est sortis dans la rue. Il y avait des manifestations. Une heure après, la police est arrivée. Armée jusqu'aux dents. Ils jetaient des gens par terre, ils tabassaient les gens. Des hommes, des femmes, des enfants. Et là, j'ai senti une impuissance totale. Dès qu'il y a un qui dit non, je ne suis pas d'accord, il l'étouffe avec des coups, avec des lois. Aujourd'hui, ça recommence. Et nous, on doit courir. Finale du championnat, je suis trop content que tu sois là. Fais bonne route, maman. Je t'aime. Bisous. Bisous. Je ne comprends pas, je parle pas russe. Attendez, vous faites erreur là, c'est une journaliste française, elle n'a rien à se dire. Documenti. Стоите, идите за мной. Non, 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 mais attendez, elle est avec nous, on n'a rien fait. Мы все рассказали. Мы знаем, что она человека, которого мы искали. Мы оставим вас и ваши французские друзья в покое. Скажите нам спасибо. Ça va aller. Vous n'avez plus rien à craindre, Sylvain. Réfléchissez за вашей безопасности. Il a dit quoi? La délation contre votre sécurité.